Bonjour, Marc-André Mercier, spécialiste pédago numérique au niveau du récit MST. Donc, voici un petit tutoriel qui va vous montrer à faire votre premier plan avec Onshape. Un plan avec Onshape, ça va toujours se faire après avoir réalisé le dessin d'une pièce. Donc, vous avez une pièce qui est ici. Pour créer votre plan, le plus simple, c'est de venir sur la pièce que vous voulez faire un plan et cliquer avec un clic droit et vous allez avoir créé un dessin de la pièce. Donc, on clique dessus. On va vous proposer à ce moment-là divers standards de dessin. Probablement, vous autres, là, vu que c'est la première fois que vous le faites, vous allez avoir plusieurs standards. Donc, nous autres, ce qu'on enseigne avec les élèves là, au niveau du programme, c'est le format ANSI A en millimètres. Donc, c'est celui-là qu'on va sélectionner. A, c'est la grandeur de la feuille, donc c'est 8,5 onces. Vous pourriez aller chercher d'autres dimensions si vous voulez. Donc, en le sélectionnant. Par la suite, vous allez aller avoir deux possibilités, soit avoir aucune vue ou encore avoir les quatre vues, donc isométrique, la vue du dessus, de face et de droite. Donc la façon la plus simple, c'est de venir ici et l'ordinateur va générer par lui-même les quatre vues. Donc une fois les quatre vues générées, vous allez avoir un petit menu qui peut s'ouvrir ici. Donc, la première des choses, si on trouve que les pièces sont trop petites, présentement, on voit ici au niveau de l'échelle dans le box, c'est du 1 pour 2. Donc, on peut venir sur la feuille qui est ici. On va faire un clic droit. On va aller dans les propriétés et on est capable de venir changer l'échelle. Donc, il y a déjà des échelles qui sont proposées. Moi, je vais la placer à 1 pour 1, mais on pourrait utiliser, supposons, du 1 pour 1,5. Donc, il faut absolument placer des points si on veut utiliser des valeurs. Et à ce moment-là, on peut regarder là, au fur et à mesure, lorsqu'on fait des modifications, qu'est-ce que ça fait. Donc, je vais laisser 1 pour 1. On pourrait changer la taille de la feuille. Donc, il y a différentes options. Pour l'instant, on va le laisser comme ça. Une fois on est satisfait avec l'échelle, on va tout simplement venir sur le crochet vert. On va cliquer dessus pour accepter justement les propriétés. Première des choses avec la vue isométrique, souvent la vue isométrique, on veut qu'elle soit présentée là, dans une vue un peu plus réaliste. Donc, on va faire un clic droit. On va avoir un menu contextuel et on va venir afficher la vue ombrée. Donc, on va voir la texture qui vient de changer. Donc, on peut déplacer celle-là ici. Donc, la vue isométrique n'est pas ancrée sur les autres pièces. Donc, on peut venir la déplacer quelque peu. Et par la suite, ben, on a nos trois vues. Donc, si je déplace une des vues, vous allez voir, ils sont ancrés horizontalement ou verticalement. Donc, si je déplace celle-là ici, ben, les deux autres vont venir se placer là comme il est supposé au niveau des plans. Donc, on peut voir ici que dans la forme, normalement, je devrais avoir des lignes cachées. Donc, pour faire apparaître les lignes cachées sur les objets, c'est nécessaire. Donc, sur la vue du dessus, il n'y a pas de ligne cachée. Donc, si je viens sur la vue de face, je vais faire un clic droit sur la vue et je vais venir ici. Donc, si jamais ça arrive, là, c'est tout simplement que votre... juste recliquer ailleurs dans l'image, puis on va venir afficher des lignes masquées. Donc, je vais venir ici. On va voir les lignes pointillées qui vont apparaître. Je vais venir sur l'autre pièce parce qu'elle aussi, je vais avoir des lignes cachées. Donc, un clic droit. Afficher les lignes masquées. Et par la suite, ben, on va venir ajouter les cotes. Donc, en suivant les normes de cotation. Donc, ici, c'est l'objet où est-ce qu'on va venir ajouter les cotes. Puis là, ben, on s'assure d'avoir toutes les cotes présentes. Donc, il y a plusieurs possibilités. Si je veux, supposons la dimension de la ligne, je peux faire un clic dessus, tout simplement descendre. On va venir placer notre cote. Une autre façon, on pourrait sélectionner, par exemple, deux points. Donc, je pourrais sélectionner la ligne ici pour l'épaisseur, mais je pourrais venir ici, cliquer sur la ligne en haut, celle du bas, puis on va voir que la cote va venir s'afficher ici. Donc, il y a plusieurs façons de créer des cotes. Donc, si jamais on veut effacer une cote, il faut sortir de la fonction cote. Donc, pour sortir une fonction, on va peser sur notre clavier sur Escape. Je pourrais revenir sur la cote qui est ici, peser sur Supprimer sur mon clavier. Donc, il est possible de venir supprimer des cotes une fois qu'on les a créées. Donc, pour recommencer, il faut revenir sur l'option cotes. Et là, je vais venir ici, entre la ligne d'en haut et du bas, placer une cote pour la hauteur totale. Je vais venir ici pour la hauteur de 16. Puis ici, ben, on n'a pas besoin de mettre l'autre cote parce qu'on est capable de la calculer là. Au niveau des valeurs qui sont présentes. On va venir mettre une cote ici. On voit qu'il y a une ligne bleue qui apparaît là, pour dire que les cotes sont alignées là, entre les plans.
Si jamais je veux déplacer un peu une cote parce que je la trouve trop loin, ben, il faut encore sortir de la fonction cote, donc peser sur Escape. On va venir prendre notre cote, puis je vais venir la rapprocher un peu au niveau du schéma. Donc, par la suite, ben, je vais continuer sur les autres faces. Donc, je vais revenir sur cote, je vais venir placer la cote qui est ici, celle-là ici. Par la suite, on va venir placer la cote qui est ici. La cote qui est ici. Et finalement, la dernière cote, celle-ci. Donc, une fois que c'est fait, on va juste vérifier effectivement si on a toutes nos cotes. Vous voyez, j'ai pas mis de code sur les lignes cachées, on évite de mettre des codes si possible pour des lignes cachées. Puis dans un autre tutoriel, je vais vous montrer comment qu'on devrait faire là, si jamais on n'a pas le choix d'utiliser une ligne cachée pour mettre des codes. Donc la hauteur ici est affichée, celle-là aussi, on peut la calculer, ça va. On aurait la dimension qu'il y a ici là, entre les deux, mais on peut l'utiliser à partir du 80, puis de la soustraction avec les valeurs qu'on a, on est capable de trouver l'espace qu'on a là, à ce niveau-ci. Dernière chose qui va nous rester à faire, vous voyez l'échelle s'est ajustée, votre nom devrait être marqué ici, donc si on grossit, votre nom va être identifié en fonction de votre compte, la date, il nous resterait le titre à placer. Donc, compte tenu qu'on n'a pas rentré dans les propriétés, le titre, ce qu'on peut faire, on va peser sur Escape pour sortir de la fonction cote. On va venir dans la section titre, on va double-cliquer, on va effacer les quatre petites barres, puis on va marquer notre titre, donc mon plan, ou celui que vous voulez. Une fois que c'est fait, on va tout simplement cliquer sur le crochet et on va avoir notre plan qui est réalisé. Si on veut exporter notre plan, donc si on veut changer le nom, donc avant de l'exporter, je pourrais venir ici sur l'onglet, on va venir renommer, on pourrait marquer dessin, pièce. Vous pourriez marquer votre nom si vous désirez l'exporter pour l'envoyer à votre enseignant ou les élèves pourraient changer le nom. Puis pour l'exporter, on vient encore sur l'onglet, on va faire un clic droit, on va l'exporter. Ils vont vous proposer plusieurs formats. Donc le format PDF est disponible. Les autres, ce n'est pas des formats qui sont utiles pour nous autres avec les élèves. Puis on peut dire à quel endroit qu'on veut le télécharger. Donc souvent, on veut l'envoyer dans un dossier particulier. Donc on va choisir l'option, la deuxième option. On va exporter. Et une fois que c'est fait, on va avoir une fenêtre qui va ouvrir une fois que le PDF est fait. Puis on va pouvoir lui indiquer à quel endroit. Donc moi, je vais l'enregistrer sur le bureau. On peut changer le nom et on va tout simplement enregistrer. Donc maintenant, l'élève pourrait nous partager là, le plan en PDF qu'on pourrait ensuite de ça visualiser. Donc c'est une façon de le faire. Vous voyez que le PDF a été produit également là, à l'intérieur là, des onglets qu'il y a dans le bas. Donc c'est tout pour la première, votre premier plan. Donc c'est les bases en tant que telles du dessin là, pour la mise en plan avec Onshape. Amusez-vous bien pour le reste.